Bonjour Philippe Bilger, merci Bonjour. d'être venu dans l'émission Trajectoire. Je vous invite dans cette émission car vous participez de la vie intellectuelle en France. Vous avez été magistrat et donc avocat général. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots quelle est la différence entre magistrat et avocat général? Magistrat. Il y a des grades, il y a des postes, et avocat général, c'est donc à la fois un grade qui est donné quand on est au niveau d'une cour d'appel de Paris, et c'est aussi la fonction que j'ai exercée durant plus de 20 ans à la cour d'assises de Paris. Et avocat général à la cour d'assises de Paris, c'est donc dans la définition que j'en donne quand je fais des conférences, c'est d'être avocat de tous les citoyens, et donc requérir une peine ou éventuellement même l'acquittement lorsqu'on estime qu'il y a une innocence ou pas suffisamment de preuves de la culpabilité. Je suis très sensible à votre invitation parce que j'ai cru comprendre que la trajectoire que vous évoquiez, c'est à la fois la condition d'ancien magistrat et bien sûr tout ce que j'ai cherché à faire à côté de cette fonction fondamentale. L'écrivain que j'ai été un petit peu, l'intellectuel que j'ai tenté d'être, et puis bien sûr l'artiste sans présomption que je suis par ma passion de la littérature et mon goût de la littérature. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être magistrat? Je ne voulais pas l'être, je voulais être écrivain, j'ai passé une licence de lettres classiques, j'ai échoué à Normale Supplettre. Et donc, à un moment donné, je parlais avec ma mère et nous cherchions quel métier je pourrais faire. Elle considérait que j'étais d'une certaine manière toujours intéressé par la justice. Et en définitive, j'ai présenté le concours de la magistrature et j'ai eu les écrits à mon grand étonnement parce que j'ai pu les avoir grâce à la culture générale et à l'anglais, et les matières juridiques ont failli me faire éliminer. Mais ayant été admissible, j'ai beaucoup travaillé les oraux, et donc j'ai pu intégrer la magistrature. Mon premier poste a été à Lille. Ensuite, j'étais au parquet de Bobigny, et plus de 20 ans donc à la cour d'assises de Paris, avant d'avoir passé 5 ans dans une section qui m'a beaucoup marqué, celle de la liberté d'expression au parquet de Paris. Donc, pendant que j'exerçais la fonction, ces fonctions-là, j'avais un blog que j'ai créé en 2005, je faisais des conférences, j'intervenais dans les médias pour expliquer ce qu'était la justice et à quel point le citoyen était indispensable pour la légitimer en quelque sorte, et donc un ensemble d'activités à côté de cette activité principale de magistrat me mobilisait, et c'est comme ça que je suis arrivé jusqu'en 2011 où j'ai arrêté pour créer un institut de la parole où j'apprends aux gens à parler en même temps qu'ils élaborent la pensée en n'ayant à s'encombrer que d'eux-mêmes, sans papier ni rien d'autre. Et puis, bien sûr, après une vie un peu politico-médiatique, chaque jour à Sud Radio durant 2 heures, de 17 à 19 heures dans les vraies voix, 4 fois par semaine à CNews et chez Pascal Praud et avec Lélie Mathias, une vie formidable, passionnante, le blog, les conférences, la vie médiatique, l'envie de discuter, de me disputer au sens noble du terme, d'écouter les autres, de chercher à être le plus sincère possible. Voilà la vie d'aujourd'hui, avec une vie personnelle, familiale, totalement heureuse. Vous êtes issu d'une famille assez particulière. Quand on connaît votre histoire familiale, les gens pourront se référer sur Internet à votre histoire familiale. Vous avez eu un père qui a eu des difficultés je dirais, après la guerre,
du fait de ses positions politiques. Est-ce que vous pouvez l'expliquer rapidement? Alors, mon père a fait partie en Alsace-Lorraine, a été un homme qui il ne voulait pas proprement parler l'autonomie de l'Alsace, mais lors de l'occupation, il a considéré que avec une philosophie qu'il appelait composer pour décomposer, que plutôt que de partir à Londres ou d'aller résister ailleurs, comme de beaucoup de gens tout à fait valables, il fallait qu'il reste sur place pour aider les Alsaciens et les Lorrains. Et donc, de fait, il en a sauvé énormément, juifs ou pas juifs. Et dans ces conditions, il a été évidemment amené à composer, à parler avec l'occupant, mais il a été un interlocuteur tellement pénible, difficile, que à partir de 43, on n'a plus voulu le voir, et il est resté en France, et il n'imaginait pas une seconde être arrêté. Il a été arrêté, et il a été condamné à 10 ans de travaux forcés, d'une manière injuste à mon avis, alors qu'on avait évoqué un possible acquittement et même une peine de mort. Donc voilà un homme qui est sorti au bout de 7 ans, qui a été brisé, qui n'a pas eu le courage de reprendre des études. Il aurait été extraordinaire sur le plan du verbe, et ma mère était là, et ça a été une femme tout à fait extraordinaire qui m'a beaucoup marqué. C'est ce qui vous a donné envie aussi de rentrer dans la magistrature, c'est-à-dire cette idée de justice ? Non, pas du tout. Je suis devenu magistrat, et c'est seulement en réfléchissant après que j'ai compris que l'attitude particulière que j'avais en tant qu'avocat général, celle d'être sévère, rigoureux, mais de ne jamais mépriser l'accusé, mais probablement venu sans que je m'en sois rendu compte tout de suite du fait que mon père lui-même a été un réprouvé. Et j'ai compris à ce moment-là que j'ai traité les accusés à la cour d'assises de Paris comme des réprouvés. Ils étaient dans un système de contraintes, et je n'avais pas besoin d'en rajouter à partir du moment où j'essayais le plus possible d'être juste à leur égard. Alors, si je vous ai fait venir dans l'émission, c'est aussi par rapport à votre lien que vous avez eu avec la justice, puisque nous allons parler aussi de liberté d'expression dans cette émission. Est-ce que les lois que nous avons dans ce pays sont contraignantes, et on va dire elles favorisent l'autocensure et la censure ? La liberté d'expression est peut-être la passion fondamentale de ma vie intellectuelle, tout simplement parce que je suis un tempérament qui a besoin de s'exprimer. Je considère que je ne suis jamais blessé par une idée, même contraire à la mienne, dès lors que j'ai pu lui répliquer. À partir du moment où je peux répondre, soit par l'écrit, soit par la parole, je considère que la cause est entendue et je n'exige rien de plus. La liberté d'expression, elle est si directement reliée à ce que je suis que, au fond, les deux devises qu'on m'a demandé souvent dans tous les entretiens qu'on m'a proposés, c'était « exister, c'est insister » et une belle phrase de Balzac « je suis de l'opposition » qui s'appelle la vie. Il me semble que la liberté d'expression n'est plus un lien fondamental dans notre démocratie. On manque de liens communs, on manque de liens fondamentaux, et la liberté d'expression aurait pu en être un. Mais manifestement, ça n'est pas le cas. Je pense que la liberté d'expression est en déclin, voire en délitement, parce que il ne me semble pas, depuis des années, que l'évaluation des propos et des écrits soit faite à la seule aune qui vaille, celle de la vérité ou du mensonge. Est-ce que ce qu'on dit est vrai ? Est-ce que ce qu'on écrit est vrai ou faux ? Ça devrait être le seul critère. Aujourd'hui, on se demande plus souvent, est-ce que celui ou celle qui a parlé a le droit de parler ? Et si elle a le droit de parler, est-ce que ce qu'elle a dit est décent ou non ? Autrement dit, on doit d'abord payer aujourd'hui des dîmes à l'autoroute de la pensée. Il y a une sorte de caste politico-médiatique
qui nous dénie ou nous offre le droit de parler, et je considère que cette liberté d'expression n'est plus entière ni absolue. Elle ne peut pas l'être, d'ailleurs. Et il faut réfléchir sur les limites légitimes qui peuvent être apportées à l'expression de la liberté. Alors, aujourd'hui, bien sûr, il y a des lois que j'ai discutées à l'origine, loi Guesso, loi Pleven, je ne l'ai pas connue, mais elles sont dans la loi, elles sont plutôt dans notre corpus, on ne les discutera plus, à mon avis, elles ne seront jamais abolies. Tout ce qu'il faut, c'est faire en sorte, lorsqu'on est magistrat, et c'est ce que j'ai cherché à faire quand je l'étais, de favoriser l'application la plus libérale possible de textes qui, sinon, deviendraient dévastateurs pour la liberté d'expression. Voilà. Et donc, il est clair que, en ce qui me concerne, je suis beaucoup plus favorable à l'affrontement démocratique, à la contradiction des idées, à l'antagonisme des intelligences dans l'espace républicain, plutôt que à la judiciarisation forcenée des pensées. Et donc, c'est très modestement là où je suis avec mon blog, les conférences, les débats auxquels j'assiste. J'essaye de diffuser cet état d'esprit. Je ne connais pas le détail de ces affaires, mais j'ai un principe qui était de dire, et qui est de dire, que la délinquance de presse, de l'écrit et du verbe est une délinquance très particulière et qu'elle n'a rien à voir avec la délinquance ordinaire. Autrement dit, agresser une vieille dame et lui prendre son sac n'a rigoureusement rien à voir avec, par exemple, un tag disant « on va décapiter le maire ». C'est un propos odieux, mais ça n'a rien à voir avec la première délinquance que j'ai évoquée. Alors, pour ces gens-là que vous évoquez, a priori, je ne suis pas favorable à la peine d'emprisonnement, puisqu'encore une fois, c'est une délinquance radicalement différente. Mais je crois savoir que certains d'entre eux ont été condamnés à plusieurs reprises, qu'ils ont été condamnés par défaut et qu'une forme de réitération et d'infraction de la part de gens, si je ne me trompe pas, qui jamais n'affirmaient qu'ils arrêteraient, quoi. Donc une sorte d'obstination dans une liberté d'expression que d'aucuns considèrent comme dévoyée a peut-être justifié ces emprisonnements fermes. Mais en général, dans la délinquance de presse, et pour ma part, quand j'étais aux responsabilités dans cette section, je n'ai jamais requis des emprisonnements fermes. D'accord. Vous pensez que les lois donc sont suffisantes aujourd'hui, qu'elles n'ont pas besoin d'avoir de suppléments. Oui, je ne dis pas qu'elles sont suffisantes. Je dis que si dans un monde idéal, je pourrais en enlever quelques-unes, ou peut-être même en rajouter. Peut-être mieux rédigé qu'aujourd'hui, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Les lois que tel ou tel peut considérer comme liberticides ne disparaîtront pas de notre corpus pénal. On ne revient jamais en arrière sur ce plan-là, à partir du moment où l'humanisme domine et où il a réussi à persuader une majorité de citoyens et donc d'intellectuels qu'il était légitime de réprimer certains agissements et certaines paroles. D'accord. On ne reviendra pas en arrière. Non, c'est acté. C'est clair. Très bien. Bon, voilà. Est-ce que vous pensez que la liberté d'expression aujourd'hui est en danger? Est-ce qu'elle est en danger au vu de ce qu'on voit, ce qu'on a vu récemment? On a vu l'attaque et le meurtre du professeur au collège. On a vu les attaques de Charlie Hebdo, on a vu un certain nombre de mobilisations concernant une frange des musulmans qui ont attaqué au nom d'une liberté d'expression qui est ancrée en France, qui est celle de
je dirais, de blasphémer, de pouvoir faire des caricatures. Alors, est-ce que cette liberté d'expression, elle est en danger? Non, parce que moi je considère que, comme on le dit peut-être trop souvent, nous avons un islamisme politique qui veut notre peau républicaine, et donc il est tout à fait légitime de, comment dirais-je, d'interdire par exemple sur Internet des propos qui sont quasiment des appels à la haine ou des approbations d'actes criminels. Mais ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression ordinaire, quoi. Comment vous dire, il est inévitable qu'à la suite d'assassinats comme celui que vous évoquez, il y ait une volonté de resserrer une diffusion de la parole et de l'écrit. On ne peut pas tolérer que, avant l'assassinat, des gens aient créé les conditions de sa perpétration et qu'après il y ait des approbations de celui-ci. Raoul Vaneghem, qui était un grand situationniste, qui l'a inventé d'une certaine manière, était un partisan absolu de la liberté d'expression, mais il disait tout ce que le seul motif d'interdiction, c'est lorsqu'elle favorise des crimes ou des délits. Pour le reste, on est totalement libre. Donc il y a véritablement des opérations à mener face à des actions qui visent à conquérir au fond notre pays, à lui imposer un autre mode de vivre, un autre mode de pensée, et qui visent au fond tout simplement à nous dominer par une religion dévoyée, quand elle est dévoyée, qui n'accepte pas la France telle qu'elle est. Vous pensez qu'aucun une liberté d'expression comme elle existe dans le monde anglo-saxon ne peut pas exister en France? Pourquoi il y a pas pourtant il y a pourtant des armes, il y a pourtant une liberté qui est assurée, et est-ce que au nom de cette liberté il y a plus de, je dirais, d'attaques, de meurtres ou de dangers concernant la liberté d'expression? Ben, on en a eu beaucoup, des attentats en Grande-Bretagne, mais je n'ai pas de position dogmatique là-dessus. Je ne suis pas choqué par le fait qu'on va réguler Internet dès lors qu'il s'agit de réguler les propos de haine, même si, bien sûr, j'ai été heureux de voir retoquer la proposition de loi Avia, qu'on va reprendre, mais j'espère qu'on éliminera tout ce qui pourrait la rendre risquée, parce qu'on pourrait baptiser haine, ce qui est peut-être une contradiction poussée jusqu'à l'extrême, qui ne serait pas de la haine. Donc il faut bien voir que je suis très attentif au principe de la liberté d'expression, à la volonté de la rendre la plus pleine, la plus profonde possible, mais en même temps, évidemment, elle doit avoir des limites, notamment compte tenu de certaines circonstances. Mais on s'aperçoit que réfléchir sur ces limites, c'est très compliqué. On a du mal à les appréhender et à les définir très exactement, parce que si on se contente de dire que la liberté d'expression est blâmable seulement dès l'instant où on porte préjudice à autrui, alors on n'en a plus jamais. La vraie pensée, elle fait mal. La vraie pensée, elle est un défi. La parole authentique fait mal. Le verbe vigoureux ne fait pas de bien, l'écrit profond peut préjudicier, ça n'est pas le seul critère. Il faut réfléchir à des critères qui limiteraient la liberté d'expression d'une manière qui soit totalement compatible avec notre esprit républicain. Très bien. Est-ce que vous pensez qu'il y a des créateurs, parce qu'on parle de liberté d'expression, est-ce qu'il y a des créateurs actuels qui pour vous défendent la liberté d'expression, peuvent exprimer un certain nombre de choses en toute liberté, et est-ce que vous ne pensez pas que, deuxième question, est-ce que vous ne pensez pas que
on s'auto-censure et que la liberté d'expression dans la création, finalement, elle ne va que dans un sens, parce qu'on voit naître Alors, les mêmes choses. On a constaté à la suite de l'assassinat que beaucoup de professeurs, par exemple, s'auto-censurent. Mais je pense que sur le plan de l'art en général, les contraintes, à quelque époque que ce soit, n'ont jamais dissuadé les vrais talents, encore moins les génies, de s'exprimer. Alors moi, on le voit aujourd'hui, on a encore de très grands auteurs. Je ne crois pas à la censure qui interdit aux talents littéraires de s'exprimer. C'est autre chose dans les débats médiatiques où les journalistes peuvent se gouverner, se censurer un petit peu à droite ou à gauche, mais dans la vie artistique, dans la vie intellectuelle, je ne crois pas. Alors on peut discuter parfois dans les poursuites engagées contre tel ou tel, mais globalement dans la vie littéraire, dans la vie artistique, regardez par exemple la manière dont un Matzneff à une certaine époque a pu publier ses horreurs. Donc je ne crois pas que ce soit le risque de censure qui soit à craindre aujourd'hui dans la vie littéraire, dans la vie intellectuelle. C'est au contraire, je le dis un peu en plaisantant, la prime excessive donnée à certains talents médiocres. D'accord, parce qu'on peut se poser la question concernant Matzneff, parce qu'il a peut-être bénéficié d'un environnement médiatique et culturel qui l'a mis à un scandaleux, alors que dans son journal, dans ses journaux, et sans aucun phare, est-ce que vous pensez qu'il méritait la prison ? Non, mais la prison n'est pas le seul critère. On peut condamner Matzneff, quelqu'un qui il est scandaleux qu'à l'époque il n'y ait jamais eu de répression pour des journaux qui révélaient tranquillement que cet homme, avec d'autres, commettait des crimes et des délits sur de jeunes, des tout petits enfants. Vous avez voulu être écrivain, vous me disiez hors oui. émission, que vous vouliez être écrivain, que vous avez toujours voulu être écrivain. J'ai toujours eu la passion d'écrire, oui. Et je voulais être écrivain avec beaucoup de présomption. Pendant un court instant, je rêvais d'être Marcel Proust, comme Victor Hugo rêvait d'être Chateaubriand ou rien, et il faut pas longtemps pour comprendre que Marcel Proust, d'abord, une telle ambition était ridicule, et j'en sentais le grotesque absolu, mais on a beau être dominé par des génies, on a le droit d'écrire soi-même si on a la passion. Alors j'ai écrit des essais judiciaires, politiques, j'ai écrit un roman, le seul, sur une structure de la cour d'assises, parce que malheureusement je n'ai aucune imagination romanesque, et j'ai pu, par mon blog, avec les billets que j'écris depuis 2005, par les conférences là, développer l'oralité, ou évidemment dans les livres, développer une passion de l'écriture, même si j'aurais plutôt rêvé d'écrire un immense roman plutôt que des essais politiques, judiciaires, dont j'espère qu'ils ont leur mérite, mais je ne les surestime pas. Vous avez quel créateur dans votre panthéon ? Marcel Proust, dont j'ai beaucoup parlé, un génie absolu. Dans le cinéma. Dans le cinéma, alors John Ford, pour les États-Unis. J'aime beaucoup François Truffaut, certains films de lui, notamment La peau douce. J'aime bien Jean Renoir, j'aime bien le cinéma des années 40-50, les grands dialoguistes qu'on avait. Et je trouve que le cinéma français s'est appauvri, parce qu'on n'a plus de grands scénaristes, on n'a plus de grands dialoguistes. Oui. Et on reste plutôt dans la contemplation de son nombril que dans la capacité de diffuser une vision épique et historique de la vie. On est trop éloigné de l'universel et on va trop dans le relatif. Mais ça, mon point de vue est discuté. Beaucoup aiment le cinéma français d'aujourd'hui, même si pour moi il est trop placard et vaudeville. D'accord. Et d'une manière générale, vous pensez que les créations sont en train de s'effondrer, que la création n'est plus ce qu'elle était ?
Oui, alors je suis réactionnaire, donc d'abord je réagis beaucoup et je ne considère pas que le fil du temps lui-même soit progressif, pas du tout, mais je veux dire par là que l'art lui-même d'abord tourne trop systématiquement dans l'autofiction, comme l'artiste n'a plus d'imagination créatrice, il se tourne vers lui. Et deuxième élément un peu négatif, c'est que j'ai l'impression que par rapport à une certaine époque, l'artiste, quel que soit son registre, offrait une œuvre toute faite au spectateur, au lecteur, à celui qui admirait un tableau, par exemple, ou écoutait une œuvre, alors que à un certain moment, on a une sorte de fracture où c'est le lecteur, l'observateur, l'auditeur de musique qui doit faire le travail, mettre de la cohérence et de la finesse dans un univers qui n'en a plus forcément, parce que l'artiste laisse faire tout le travail au consommateur d'art. Et en ce sens-là, on n'a plus ma conception de l'art classique, on a une conception de l'art dont on peut se demander parfois si c'est de l'art. Oui. Est-ce que vous avez alors dans votre panthéon, toujours des œuvres, je dirais, qui ne sont pas trop consensuelles et Bien que sûr, la j'ai société écrit. actuelle n'accepterait pas? Alors, elle ne les accepte pas ou difficilement, ou en tout cas davantage qu'à une certaine époque. J'ai écrit un livre, non pas une biographie de Bravia, mais des regards portés sur lui. J'ai lu des écrivains qualifiés de maudits à l'époque. Bravia, bien sûr, Drieu La Oui, Rochelle, oui. Rebattet. Même, il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont eu des ennuis à la Libération, par exemple Henri de Monterlan, Giono, des gens comme ça, Oui. donc Jacques Chardon, Jacques Chardon, qu'aimait beaucoup Mitterrand. Paul Morand, des Oui. gens. Alors, je dirais, je peux continuer à les lire, hein, mais je trouve que certains d'entre eux ont vieilli. En tout cas, je suis moins systématiquement séduit par le caractère, j'allais dire, qui était maudit à l'époque, quoi. Je ne vais plus forcément vers des écrivains un peu pestiférés, tels que. Évidemment, je mets à part des gens comme Céline, qui est un immense auteur avec Oui. Voyage au bout de la nuit, Mort à crédit. Donc, je peux tout lire. J'accepte de tout lire et je ne porte pas un regard moral, sauf quand, évidemment, ostensiblement, comme Max Neff, on décrit des crimes et des délits qui devraient être poursuivis. Mais sinon, en général, dans ma passion de la littérature, mon énergie de lecteur, je ne me préoccupe pas de la caractère éthique ou non de la personnalité qui a écrit. Elle peut m'être plus ou moins sympathique, mais ça n'est pas un critère pour décider si je vais lire ou non le livre. D'accord, vous séparez bien l'œuvre Voilà. de l'homme. Même si je Donc suis si quelqu'un, passionné oui. par la vie de certains écrivains. D'accord, mais si quelqu'un avait été, je dirais, dans sa vie personnelle, avait exprimé, alors sans forcément tomber sous le coup de la loi, des choses qui étaient réprimables, et je dirais dans sa vie artistique n'avait absolument rien de répréhensible, vous pourriez apprécier cette personne, Bien sûr, ce qui est peu fréquent dans notre le époque. livre, c'est très différent. Proust l'a bien dit, c'est l'univers de l'écrivain est radicalement différent de celui de l'être qui a écrit. Et donc, je peux m'intéresser à des vies, celle de Jean-Paul Sartre, j'ai lu récemment un très bon livre sur lui. Je n'aime pas les positions politiques qu'il a prises, mais je peux m'intéresser. J'espère avoir une infinie curiosité intellectuelle et littéraire. On peut être en désaccord avec des personnalités sans nier le fait qu'elles ont été de grands esprits. Et notre perversion contemporaine, c'est de n'accepter d'admirer que les gens qui sont d'accord avec vous. Or, j'ai des admirations pour des gens qui sont aux antipodes de moi. Oui. Et qui m'ont appris des choses tout de même. Vous voyez, donc, j'essaye d'avoir une liberté et une ouverture d'esprit les plus larges possibles.
Très bien, vous êtes d'accord, vous êtes assez ouvert de ce côté-là. J'essaye. Est-ce que vous avez eu, dans votre parcours, est-ce que vous avez eu à juger des personnalités ou des personnes qui avaient enfreint la loi par rapport à des écrits ou à des opinions J'ai été 5 ans ministère public dans une section de la presse et des libertés publiques de 84 à 89. Dans une chambre de la presse prestigieuse à l'époque, 17e chambre correctionnelle, j'ai eu évidemment des affaires de genre. J'essayais de respecter l'esprit de liberté qui est dans l'article 1er de la loi de 81. L'imprimerie, la librairie sont libres. Et ensuite, il y a la déclinaison d'un certain nombre d'infractions. Je cherchais à faire comprendre aux magistrats que la logique judiciaire doit aussi comprendre la logique médiatique. Et que la liberté d'expression doit être un principe dont on doit assurer le respect le mieux possible. Alors on ne peut pas toujours le faire parce qu'il y a des infractions qui sont claires. En matière de diffamation, il y a la preuve de la vérité ou la bonne foi. Mais évidemment, j'ai durant 5 ans fait cela en tant qu'être magistrat et citoyen qui réfléchissait sur la liberté d'expression. D'accord, parce que je vous citais des personnes qui sont allées en prison. Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir vu d'autres personnes aller en prison pour des écrits. Je crois que ça remonte parce qu'on a très peu. Oui. On va très rarement en prison pour de la délinquance de presse, très très rarement, sauf en cas de réitération, de non-comparution, sauf lorsque les infractions sont plutôt, vous voyez, pour la loi Guesso, des provocations à la haine. C'est très très rare, très très rare l'emprisonnement en matière de presse. Il y aura au contraire l'humanisme tel qu'on le conçoit aujourd'hui va être de plus en plus porté par des pénalités fortes. Vous pensez que ça va se durcir, hein. Bien. Pas forcément par de nouvelles lois, mais même si il y a eu des progrès, par exemple, j'évoquais la preuve de la vérité des faits en matière de diffamation, il y a eu des progrès, mais il ne faut pas espérer pour ceux qui voudraient une libération absolue de la parole et de l'écrit, il ne faut pas espérer quoi que ce soit dans ce domaine. Parce que il me semble que... Vous ne pensez pas que la liberté d'expression, elle prend d'autres biais et d'autres chemins Peut-être. Qu'elle se déplace et qu'elle ira peut-être vers les réseaux sociaux, vers les choses comme mais ça. Elle y va déjà, mais il y a un moment donné, notamment lorsque les réseaux sociaux deviennent peu ou prou, au moins indirectement responsables de catastrophes, eh bien on se penche sur eux. On veut les réguler. Moi, en ce qui me concerne, je suis sur Twitter. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, même vrai, si oui. C'est un cloaque. On l'a pas évoqué, mais vous tweetez beaucoup. Oui. Même si c'est un cloaque, moi, je proposerais d'éliminer l'anonymat. L'anonymat permet à des malfaisants de dire n'importe quoi. Et ces réseaux sociaux n'ont d'intérêt que s'ils diffusent des idées auxquelles on peut répondre. Sinon, c'est la contradiction. Ah, vous êtes pour la suppression de l'anonymat. Ah, moi, ça, c'est intéressant. Je serais contre, mais beaucoup sont contre. Hein, pour le maintien de l'anonymat, en disant il y a des gens qui ne pourraient pas parler. L'anonymat, ça permet aussi, non pas simplement à des gens de parler, mais à des gens de pouvoir transférer des données personnel, on pense à du médical parfois, ou parler, s'exprimer sur des plateformes médicales. Et si cette liberté, cette transparence était totale, peut-être qu'il pourrait y avoir des failles dans les systèmes de protection des personnes. Ça pourrait mettre en danger aussi certaines personnes, ou à des lanceurs d'alerte. Je suis pas fanatique des gens masqués dans la vie. Les lanceurs d'alerte qui sont... Je suis pas fanatique d'accord. Je préfère, en revanche, et récemment j'ai écrit là-dessus, je préfère les lanceurs de vagues aux lanceurs d'alerte.
J'aime beaucoup les gens qui prennent des risques pour eux-mêmes et qui, dans des institutions ou ailleurs, éprouvent le besoin. Pour moi, Éric Zemmour est un lanceur d'alerte, par exemple, et est un lanceur de vagues, puisque les professeurs disaient, à la suite de l'assassinat de vendredi dernier, ça va cesser le moment, on n'aura plus le droit de faire des vagues. Eh bien, il faut faire des vagues dans la vie, mais il faut les assumer. Il faut les porter la tête haute, il ne Oui. faut pas se cacher, sinon on fuit la contradiction et je trouve qu'il y a une forme de lâcheté là-dedans. Mais lui, c'est un homme médiatique. Il fait de l'audience, il Bien vend des sûr, livres. bien sûr. Donc Mais il a les moyens, je dirais, de s'exprimer. Mais quelqu'un qui. ça n'empêche pas Oui. qu'on le poursuive, hein. Oui. Non, mais moi, je vous D'accord. sens, je ne suis pas partisan de la. Les gens qui D'accord. parlent en se cachant, je n'aime pas ça. D'accord, très bien. Ça, c'est. D'accord. Bon, là, c'est quelque chose de tout à fait intéressant parce que ça. Là... Mais je sais que beaucoup ne sont pas de mon avis, hein, qui Oui. disent, mais alors je leur répondrai, puisque vous voulez à tout prix intervenir, intervenez de On manière. pourrait même penser à simplement aux manifestations. Qu'est-ce que seraient les manifestations possibles et le rassemblement grâce aux réseaux sociaux si l'anonymat était levé? Je serais très content. Moi, je n'aime pas l'anonymat qui protège d'agissements et parfois de propos qui sont scandaleux, quoi. La liberté d'expression, pour moi, elle n'a de sens que si elle s'offre à visage, à corps, à pensée découverte, et où elle s'assume et elle prend ses risques. Même dans des réseaux sociaux qui sont mondialisés, Bah, quelque écoutez, part, parce que ça peut venir de mais l'extérieur de la moi, je France. n'aurais jamais l'idée d'intervenir où que ce soit en me cachant. D'accord, vous avez pas. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez des regrets concernant Rien. votre parcours personnel, Je le n'ai fait au, d'avoir voulu être je écrivain, n'ai aucun parce que... regret. Je n'ai aucun regret. D'abord parce que je n'ai fait aucun plan de vie, aucun plan de carrière. J'ai fait tout ce que le hasard m'a permis de faire. J'ai été magistrat, j'ai écrit des livres, je peux m'exprimer, je peux débattre. J'ai des enfants et des petits-enfants formidables, j'ai une famille. Le fait de n'avoir pas eu une vie politique n'est même pas un regret. Je n'aurais pas eu les qualités d'inconditionnalité qu'il faut pour ça. Non, je n'ai rien, aucun regret. Aucun regret. J'ai cette grande chance de n'avoir jamais exercé de métier pénible, de sorte que je vais pouvoir continuer à penser, chercher à écrire et Oui. essayer de parler jusqu'à la fin de ma vie. Vous avez C'est une une grande indépendance chance. d'esprit, Pas de oui. retraite. Se sentir exister, voilà, tenter d'être le moins médiocre possible, ne pas penser à la postérité parce que j'ai encore le Oui. sens du ridicule, mais vouloir que les êtres qui m'entourent et m'aiment soient eux-mêmes très heureux après ma mort, voilà ce à quoi j'aspire. C'est Voilà, tout ce qui vous c'est importe. tout, Le fait de laisser une trace ne et vous... avoir laissé une trace, Oui. mais dans ma vie, je veux dire, et je ne la surestime pas, Oui. entendons-nous, hein, mais j'ai essayé partout où je passais de laisser un petit quelque chose, comme magistrat, comme avocat général, comme dans ma vie familiale, dans ma vie intellectuelle. J'aime énormément les êtres qui ne se poussent pas du col, mais qui partout où ils passent laissent une petite trace. Et c'est tout ce que j'attends de la vie et j'espère n'avoir pas trop démérité par rapport à cette exigence. Nous approchons de la fin de l'émission. Est-ce que vous avez des personnalités, des maîtres,
je ne sais pas, moi, des gens qui vous ont inspiré. J'ai beaucoup trop parlé de Marcel Proust sur le plan de la Oui. littérature. J'ai des héros dans ma mythologie, Oui. Alexandre le Grand, Jules César, Oui. j'ai des hommes que j'estime, Alain Finkielkraut, je n'ai personne à proprement parler qui constitue un guide pour ma vie d'aujourd'hui, quoi. Je peux admirer évidemment des gens. Je suis comme tous les Français devenu gaulliste aujourd'hui. Je suis comme tant de gens aujourd'hui. De Gaulle, on en a la nostalgie parce qu'il représentait une épopée, une allure dont la politique quotidienne nous a malheureusement privés aujourd'hui, hein, c'est clair. Donc je n'ai pas d'exemple. C'est plutôt en littérature, j'admire des intellectuels et je peux être proche d'intellectuels dont. Qui finalement, je l'ai dit tout à l'heure, sont très éloignés de moi. Vous voyez, mais ça n'a rien à voir. On mène sa vie comme on le peut, comme on l'entend, et malheureusement, on ne peut pas toujours suivre un sillon qui est creusé par d'autres. On se débrouille soi-même comme on peut, avec ce qu'on a, en Oui. espérant être le moins médiocre possible. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous pose une dernière question et puis on en finira là. Quelle est pour vous votre plus grande fierté? Qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier finalement? C'est d'avoir été et d'être encore, je l'espère, un homme qui existe, au plein sens que je donne à l'existence, et un être libre.